mercredi 18 octobre 2017. Oh, la violence qui vous attend. Merci d'avoir cliqué pour mater votre top discours Guts FFBB. Toujours sur Sissi, on est parti. Numéro 10. Pour ouvrir le show, autorisation de décoller pour Montmarceau. Même si son défenseur joue le jeu, impossible d'empêcher la mise à feu. Ça peut se faire à 36 ans, replay sans hésiter. Ah, la 9ème place. La victoire d'Orléans la veille en Pro B a donné des idées à son équipe espoir. Contre-attaque face à Cône avec un collectif bien huilé, à tel point que la balle passe dans toutes les mains. Conclusion primée d'un lancer. Ses bonnes intentions permettent à l'OLB de s'imposer une nouvelle fois en N3. Numéro 8. En pénétration, toujours se méfier du deuxième rideau. Occupé à jouer son vis-à-vis, il a oublié David Silly. Je vous avais dit qu'il y avait du niveau. Silly à domicile protège son cercle et score pour Lille 20 points contre Cambrai. Numéro 7. Ce week-end, le Canet a empoché sa première victoire de la saison. Maxime Ziambéni voulait fêter ça à l'ancienne, à base de postérisation. Air Max est immortel. Après ce, voici un autre vétéran qui a toujours un gros jump du haut de ses 37 ans. En 6ème position, le combo magique pour la nouvelle recrue de Kaisersberg, Tommy Gezala. Interception, petit pont, et bien sûr, conclusion. Après quitter le BCGO la saison dernière, il n'a pas quitté l'Alsace, et ça lui réussit bien. Le Kapka est premier de la poule D. Numéro 5 comme son numéro fétiche. Si je vous dis qu'il mesure 2m07 et que c'est un ancien de Panazol Fetia, vous me répondez Alvin Goran, qui te rafraîchit la mémoire. Là, tu te demandes juste pourquoi le casque n'est pas obligatoire. 69-67 Villeneuve privé d'une 4ème victoire consécutive. Numéro 4. Pour Sainte-Marie-Metz, ce derby lorrain a tourné au calvaire. Le GHB a tout verrouillé, en mode défense de fer, frère. Vincent Fernandez te stoppe à 1 mm du panier. Allez, en numéro 3, autre derby dans la région, et pour le visiteur, même punition. La bloc partie continue avec Holzheim le promu. Cédric va veut monter, mais se voit refuser l'accès par David Acker. À la salle de la bruche, y en a qui sont pas venus pour rien, côté supporter. Ah, la 2ème place. Pour les âmes sensibles, je préfère lâcher un spoiler. Simon Pinte va être en défense, et une nouvelle fois, ça finit en film d'horreur. Wow! Une plage est 3ème de la poulache et Simon Pinte fête Halloween avant l'heure. Et le numéro 1 de la semaine. Quand le poids lourd Leiba s'est lancé, personne ne peut l'arrêter. C'est une affaire de sécurité routière à leur freine. Sinon, il va t'écraser. Oh non, Mantas vient balasser au fils de crash test. J'imagine que le Lituanien ne regarde pas les courtes cusses, mais pitié. Qu'au moins ses coéquipiers le préviennent du danger. Poncheru enchaîne, 4ème victoire de suite pour les âmes en vert.